Leurs odeurs lorsqu'ils créent. Donc, quand vous voyez vos chats par exemple faire ce type de marquage, ils déposent leurs odeurs. Ils vont aussi frotter leur tête puisqu'ils ont des glandes au niveau de la tête par exemple, ils en ont au niveau des pattes. En fait, ils en ont à plein d'endroits au niveau du corps et c'est pour ça qu'ils se frottent aussi régulièrement. Alors, on va revenir un petit peu sur leur morphologie parce qu'en plus ils sont bien actifs, donc profitez-en puisque ils peuvent. Les guépards dorment beaucoup, hein, c'est vrai, c'est 16 heures par jour. Donc profitez de leur activité ce matin. En plus, vous les voyez un petit peu courir. Pour s'équilibrer, exactement, hein, quand on s'équilibre, quand on marche sur une poutre, nous on tend les bras. Là, ils ont cette queue hein, qui est aussi longue que le reste du corps et qui va servir de balancier. Voilà, quand ils font de brusques changements de direction. Vous pouvez peut-être aussi apercevoir des griffes au niveau des pattes de ces animaux. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant chez les félins. En fait, ils ont des griffes qui sont rétractiles normalement. Clémence, écoute la dame. Ouais, ça dort. Ah, il est quand même balèze. Mais normalement, ils hibernent là. Ça hiberne un ours. Ça y est, c'est fini l'hibernation. On est au printemps, donc ça y est, c'est fini, il s'est réveillé alors. Bah ouais, la preuve. Hein. Génial. Ah oui, tout le monde te regarde, pépère. Il y a des croquettes. Des croquettes. Il y a des croquettes de On dirait, ouais, c'est des croquettes comme pour les chats. Il est gourmand de croquettes, les pépères. Juste à côté de... Oui, il mange, il est... Il a l'air bien, non? Regarde. Ah ouais. Ça te fait plaisir ou pas de voir un panda, toi? Oui. Et toi, Clémence? Animal totem. Oui. Voilà avec son collègue. Ah bah ils sont deux. Il a faim. Il a faim, pépère. Hop là. Donc le panda mange du bambou. Eh oui. Piège de bambou par un panda. Donc regardez les dents qu'elle a, déjà ça va vous donner une idée de la puissance de la morsure. Donc regardez, elle va retirer l'écorce pour ne manger que le cœur du bambou qui est plus tendre.
Elle est très agile avec sa bouche et avec ses pattes, elle y arrive très facilement. Je peux vous assurer que nous, en tant qu'humains, on ne fait pas aussi bien en aussi peu de temps. Donc les pandas sont les animaux qui nous coûtent le plus cher à nourrir sur le parc, puisqu'on va acheter pour eux chaque semaine 1,6 tonne de bambou. Donc forcément, 1,6 tonne de bambou, bah, ça chiffre un petit peu en termes de budget alimentaire. C'est pour ça qu'ils occupent la première place ici à Beauval. Vous avez peut-être vu qu'on a aussi planté un petit peu de bambou partout sur le parc et sur les parkings. Alors ce bambou, il n'est pas là pour pouvoir nourrir nos pandas tous les jours. Il est là en cas de problème d'approvisionnement notamment, pour qu'on puisse quand même leur donner à manger si jamais le camion de livraison devait être bloqué quelque part. Ah, oh, le petit singe, oh, il se gratte. Ah, je l'ai loupé. Voilà, des vrais bait. C'est dommage, je viens de louper celui-là là, qui est monté là, au haut de la branche. Il y en a d'autres ici. Voilà. Là, il y a plein de petits oiseaux là. Là, il y a un pélican qui se promène. Les flamants roses. Ouais. Bon, écoute, la volière, honnêtement, j'ai vu mieux. Ça manque. C'est peut-être parce que c'est tout neuf, je sais pas, mais j'en ai vu des mieux. Voilà, tranquille hein, la vie. Un petit renard. On va pouvoir choper des œufs d'autruche. Tiger. C'est un gros chat. Oh la vache de pâte. Et un peu plus là. Bon. Ils sont bêtes en plus. Tournant. Vas-y, va, roule. Ils sont bêtes. Voilà. Donc ça, on est dans l'antre des hippopotames. Et du coup, il y a un grand bassin. C'est grand barrière. Mais alors, les hippopotames, je ne sais pas où ils sont. On va essayer de les trouver. C'est beau, hein, avec les pélicans. Qu'est-ce donc cette bait? Cette bait bizarre. Et là, il y a Pépère qui cherche des trucs. Ah oui. C'est balèze, hein. Ça, tu sais que c'est dangereux, hein. L'hippopotame, ça court, je crois que ça court assez vite en plus. Et ça se vend très très bien. Ouais, ils sont plusieurs en fait. Petit bébé. Et là, il y a baston d'oiseaux. En fait, c'est une mini volière en fait ici. Voilà ça là. Oh! Un petit bait. Voilà. Oh, les couleurs elles sont pas belles.
petite bête. Petite bête. Ah, oh la vache. C'est un peu glacial. La caméra est là, hein, Jeanne. Hein, t'as vu? C'est là. Donc, bon, bah, on sort du spectacle. Les maîtres des airs, c'était excellent. Hein, c'est vrai. C'était excellent. Et puis, donc, du coup, s'il vous plaît, un peu de sérieux, je suis en train de faire un film. Bon, bah, tout le monde s'en fiche. Bon, bref, donc, ouais, on sort du spectacle Maître des airs. Et là, on a trop froid. Il va être 18h, donc on rentre au camping-car. Puis en plus de ça, on a le ticket pour demain. Donc j'espère que la météo, elle sera au rendez-vous demain. Et puis voilà quoi. Allez, je vous montre un peu l'histoire. Ça va Clément, ça? Oui. Donc là, il y a les lions là-bas. Je sais pas si on voit grand chose parce que je filme en aveugle. Hein. Voilà. La gare de téléphérique qui est là et le parking, je sais pas où il est. Il est Comme ça. Il est où le parking? Il est hyper long en fait. Il est là-bas là. Je sais pas où c'est. Je sais même pas rien. Non, il est là, là. Il est là, non, je sais pas. Bon, bref, là faut... on était là. Mais non, la sortie est déjà allée. La sortie. Allez, à demain. Donc voilà, bah j'espère que cette vidéo du zoo de Beauval vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Hein. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Là, on a changé de spot, on est au château de Chambord. Donc ça, c'est la prochaine. Allez, on s'abonne.